Salut, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle course sur le circuit de Interlagos au Brésil. Sous un soleil éclatant, une température de 30 degrés dans l'air et de 36 degrés sur la piste. Et voilà, c'est parti. Alors, en tête pour le moment, nous avons GT Speedloul avec la Lexus très bien parti. Oh, très en forme Loul hein, apparemment. Il n'a envie de rien laisser passer. Deuxième, nous avons Thierry qui est au coude à coude avec Eric. Eric en profite pour passer. Mais Thierry ne lâche rien. Gaston avec sa Porsche. Et nous avons Steph aussi qui est là avec sa Porsche. Beaucoup ont pris la Porsche apparemment. Hein. GT avec l'Alpha. Ensuite, nous avons Lee, Fred avec la Mustang, Lin avec la RCZ, Flo avec l'Altezza à la lutte avec Duke qui est passé. Ensuite, nous avons Catman avec la 4C et Diabolo en dernière position avec la Porsche pour le moment. Et nous revoilà sur Loul. Oh là là, très bien, Loul, toujours en tête. Eric qui suit, Gaston, Steph voulait dû avoir une erreur quelque part là. GT 5e, Thierry a perdu des places. Lee, très belle livrée, Lee, de la RCZ. Et Fred toujours avec sa Mustang. Très rapide la Mustang. Un peu lourde mais très rapide. Est-ce qu'Alain va le prendre à l'intérieur? Non, il peut pas pour le moment. Et Duke était juste derrière là, avec la même voiture qu'Alain. Flo un petit peu retardé, 11e. Avec la Mazda. Mais Catman fait des erreurs avec la 4C, il a du mal, elle glisse. Et Diabolo s'est rapproché du coup. Bon, nous allons retourner à l'avant. Et Loul tient le coup, hein, toujours en tête. Oh, et puis il améliore en plus. Attention, Eric. Deuxième. Troisième, Gaston. Oh là là! Alors là, il y a eu un problème. Voilà, Thierry, cinquième. Et c'est GT qui est parti. Ah oui, GT se retrouve dernier. Pauvre GT, que t'est-il arrivé? Et Thierry l'attend, donc apparemment il y a eu contact entre les deux. Et Loul dans son troisième tour, toujours en tête. Mais Eric est très menaçant hein, derrière. Il a une petite pénalité, Eric. Sûrement une petite coupette. Allez, on va se mettre à l'intérieur de la voiture d'Eric. Voir les trajectoires. Ah, il lâche rien, Loul. Ah, ça fait plaisir à voir ça. Il y a Gaston derrière. Gaston, un petit peu distancé là. Et alors, loin derrière, nous avons Steph suivi de Lee qui revient. Il revient très fort sur Steph. Alain qui remonte aussi, tranquillement. Avec sa RCZ. Et le trou est fait là.
Ah oui, Catman et puis Diabolo. L'un derrière l'autre, attention. Diabolo attaque. Et il va passer. Non, si. Eh si, Diabolo est passé. Ah, trop fort. Fred 9e, tout seul. Thierry. Toujours avec sa Porsche rouge, Tagaya. Duke. Flo. Flo pro pourchassé par GT. Voyons voir depuis l'intérieur, il va le passer. Il va le passer à l'intérieur. Et oui, ça y est. Oh là là. Oh, c'est passé. Et puis alors, il est énervé, GT. Très énervé, GT. Oh là là, il va passer le. Il va passer Duke là. On va le suivre. Attention, la corde. Accélération. Ouais, il va le prendre à l'intérieur. Attention, GT, c'est là que t'as fait une erreur. Et ça y est, Ouh là là, et c'est Duke qui cède. Et voilà. Bravo, GT. Alors, Eric est passé devant. Eric est passé devant. Gaston est passé aussi. Loul se retrouve troisième. Ah, par contre, Eric, les pneus, ça a bien morflé. Allons voir Gaston. Ah, un peu moins usé, Gaston. Loul. Ça va encore, ça peut encore tenir. Lee, oh, pour une fois, mais il est parti en dur, Lee. Ah, stratégique. Bien, Lee. T'apprends vite. Alain est parti entendre. Il est un peu plus usé. Steph, entendre aussi. Oh, les pneus sont bien malades. Diabolo, super tendre. Ah, il va sûrement falloir s'arrêter. Catman en course dure. Il a pratiquement rien usé. Oh, quelle belle glissade, mon petit Catman. C'est formidable. Course dure aussi pour Fred. Et GT qui arrive derrière en course dure aussi. Ouais, c'est un choix. Hein. GT de l'intérieur. Ah, c'est beau à voir. Hein. Et Flo de l'intérieur. Je peux tous vous mettre de l'intérieur maintenant. Ah, ça, c'est nickel. C'est encore un plus. Thierry de l'intérieur. Ah, comme ça on voit l'intérieur des voitures. Ah, c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va encore embellir les vidéos. Ah, c'est des vues, j'aime bien. Voyons voir Gaston de l'intérieur. Gaston, les gants blancs, tu sais, faut pas se salir, hein, Gaston. Oh, ben, lui, pareil. Oh, t'en fais tous les passer. Gaston s'arrête au stand du coulis, va reprendre le commandement des opérations. Il a encore du pneu, du carburant. Il veut pas s'arrêter maintenant. L'Alain est passé deuxième. Oh, puis il est tout près de lui.
a-t-il le pensé. Oh là là, attention, Lee va faire une erreur. Oui, ça y est, l'erreur fatale. Et voilà, Lin-Lin est passé en tête. Formidable, Lin-Lin, premier. 7 tours sur 10, il reste 3. Ah, les pneus peuvent peut-être te faire défaut, mais enfin, te connaissant, tu vas gérer. Alors, Lee a repris Eric. Eric 3ème, Loul 4ème. Cinquième pour Catman. Cinquième position pour Catman. Qui tourne, qui tourne, qui tourne. Six... Oh là là, Gaston qui a fait une erreur. Attention, GT. Je fais tous les intérieurs de voiture, puis après je me remets normal. Ah, la Fred. Ah voilà, l'intérieur de la Mustang, qu'on n'avait pas vu encore. Ouais, ça c'est bien. Diabolo. Diabolo, on est déjà passé dessus, je crois. Allez, on va reprendre normal. Alors, nous en sommes dans le 7ème tour. Donc, Lin-Lin premier, avec des pneus bien usés. Dans le 8ème tour, il ne reste plus que 2. Mais Lee est vraiment... derrière, hein. Il pourchasse là. Voyons voir l'état de ses pneus. Ah, Lee a des meilleurs pneus. Après, Lee fait des erreurs. Hein. C'est peut-être la seule chance que Alain peut avoir parce que, point de vue pneu, ça va être juste. Hein. Eric 3ème revient. Mais ça va être juste. 4ème Lou. Il n'a pas perdu grand chose, Lou. Gaston fait des erreurs aussi. Attention, il revient. Ah, il prend à l'intérieur. Il a passé Lou. Voilà, Catman, 6ème. Avec Alpha. GT qui revient, 7ème. D'après, nous avons Diabolo. Diabolo qui s'est mis en course tendre à l'arrêt au stand. Hein. Il a changé de pneu. Ah, et voilà Steph qui attaque Fred. Et qui l'a passé. Attention. Et Fred qui repasse. Et là qui. Ah non. Il a mordu. Et c'est foutu. Et voilà Thierry derrière. Qui arrive avec la Porsche. Duke. Et Flo. Oh, Flo qui améliore. Oh là là, 1.33. Bien. Oh, énervé, Flo. Ah, un petit peu coupé. Elle est énervée. Lee est passé en tête, ça y est. Lee est premier. Fallait s'en douter. Il a de meilleurs pneus. Et il y en a beaucoup qui ont passé Alain. Là. Eric deuxième. Gaston a passé Alain. Lou l'a passé Alain. Ah oui, Alain, il doit y avoir beaucoup de pneus. Catman a passé Alain aussi. GT aussi. Et voilà, là, un 7ème, suivi par Diabolo qui n'est pas loin. Ah, au bout les pneus, hein. Faudrait arrêter, Alain. Ah, c'est vrai qu'il reste plus qu'un tour. Steph. Thierry. Fred.
près de, juste derrière Thierry. Duke. Et Flo. Ah, c'est une très belle course. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. Voilà, dixième tour. Dernier tour pour lui. On va renaviguer une fois avant l'arrivée. Eric, Gaston, au coude à coude. Ensuite, Loul. GT, 5e, bien remonté. Catman. Diabolo, Steph. Alain. Thierry qui a passé devant Fred, oui, naturellement. Fred. Duke. Et Flo. Allez, on revient là sur la tête, c'est l'arrivée. Lee. Attention, ça va faire une très belle fin de course. Les trois coude à coude. Et c'est Eric qui passe. Au forceps. Eric qui va passer et qui va gagner la course. Gaston en profite pour passer aussi. Ellie, troisième. Bien joué. Loul, quatrième. 6e Académie, 7e, non, 5e, oh, je comprends plus rien là. Nous avons Steph qui arrive là. Là. Ensuite Thierry, Fred, Duke. Duke qui arrive, là a beaucoup perdu, hein, là, 12e. Et Flo qui arrive